Je m'appelle Luc-Antoine Jean-François. Je suis né à la ville de Léogane, Haïti, le 7 janvier 1985. Et je travaille pour MSF en tant que superviseur des agents de santé communautaire de l'hôpital de Châtelet. Je supervise une équipe de 8 personnes. Quand on va dans une maison, on explique aux gens qu'il y a une maladie qu'on appelle dengue, et cette maladie se transmet par la piqûre d'un moustique qui s'appelle Aedes, et la moustique est présente dans la ville. De ce fait, on explique aux gens comment il faut lutter contre cette moustique-là. C'est ça qui cause la malaria. C'est le capable de faire filariose, c'est le capable de faire dengue. Donc, on était ici juste pour prodiguer des conseils sur la maladie de la dengue avec les gens de cette famille. On les a dit d'éviter de garder des récipients contenus de l'eau parce qu'il y a des moustiques qui peuvent venir pondre dans ces récipients-là et ces œufs ils vont transformer plus tard en larves et après en nymphes et vont donner des moustiques. Et ces moustiques-là, ils vont les piquer, ils peuvent les transmettre la maladie dengue qui sera très fatale pour eux. Le 12 janvier 2010, aux environs de 4 heures de l'après-midi, je voyais toutes les maisons qui m'entourent tomber par terre en descendant chez moi. Et c'est comme si j'étais dans un autre quartier, c'est pas mon quartier exactement, parce que tout a été détruit. C'était vraiment douloureux et triste, cet événement-là. Ça m'a apporté un changement au point de vue humanitaire. C'est la façon de vivre ensemble, la façon de comprendre les autres et la façon d'aborder les autres. Comment gérer un groupe de personnes en restant toujours leur ami, sans leur montrer que je suis un chef. C'est moi, non. Donc, on m'a appris pendant ces 3 ans, étant que superviseur, on n'est pas un chef, mais on est un assistant. On est là pour aider, pour supporter, pour accompagner, afin d'atteindre l'objectif visé.